Hey, bonjour à tous et bienvenue pour du Agrarian Skies, voilà. Oh, la belle maison de Riddix avec le beau moulin qu'un joueur lui a fait et qu'il a reconstitué justement, justement sur le serveur là. Alors, avant d'attaquer Agrarian officiellement, déjà c'est bien, ça spawn pas dans le coin, c'est parfait. Alors, je voudrais dire quelques mots déjà aux connards qui disent que je plagiais ou plagie déjà BXA. Je viens de voir sa vidéo qui est comme quoi il avait arrêté Agrarian Sky 2 il y a 3 semaines. J'en étais même pas du tout au courant, moi. Déjà, c'est très simple, je suis pas, donc du coup, je peux pas savoir s'il avait fait de Agrarian. On a eu l'interquestion justement sur Skype, mais bon, ça le au premier abord, ça le faisait pas chier que j'en recordais un. Donc du coup, j'ai lancé un truc à 3 avec Dead, moi, Ethan et autres. Donc ça fait 4 joueurs, ce qui est largement suffisant pour un Agrarian. Voilà. Je l'ai fait la première saison avec lui, c'était super bien, je l'ai invité, ok, très bien. La saison 2, j'ai pas eu l'idée de l'inviter, ça aurait peut-être pu faire en sorte que, y eu... Ah, c'est du bois, très bien, c'est des briques mais c'est du bois. Eu l'idée de l'inviter, mais sauf que j'ai pas voulu, point, voilà. Après, qui disent que je plagie, machin, bidule, chouette, c'est ton problème, c'est juste que lui-même peut plagier aussi quelqu'un d'autre, hein, ce qui veut dire, je peux citer Direwolf, par exemple, lui, il a bien, par exemple, plagié, entre parenthèses, lui, puis du fait qu'il avait lancé Agrarian, donc, voilà, alors, fermez vos gueules, hein, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon, tu plagies du moment que tu fais du Minecraft, voilà, donc, à la base, fermez vos gueules. Voilà, petit coup de gueule, je remballe ceci, voilà, tout simplement. Du coup, on va continuer un petit peu nos quêtes, hein, sans qu'il y ait des connards qui nous fassent chier. Très clairement, on en était où, moi, dans tout ça? Oh, déjà, très bien. Ah oui, nous avons fait ça. Oh, un Ruber, Netherrack Redstone et Gold. Ok. C'est un Ruber Sapling, c'est pas un méga. Ok. Eh bah c'est cool. On va le faire pousser là. Très bien, ça fait ce qu'il faut. Nether Stone, je vais le faire pulvériser. Pourquoi? Parce que pulvériser, ceci me donne pas mal de choses. Me donne 21 Redstone, ouais, ce qui est largement cool. Donc voilà, au niveau le coup de gueule, je vous emmerde. Voilà. Et puis voilà, en fait. C'est tout. Hop, revenons du coup là-dessus. Hop, faisons ça. Bon, j'attends que en fait tout ce soit pulvérisé. Dead, je sais pas ce qu'il fait. Je lui ai dit coucou tout à l'heure. Il répond pas. Je crois qu'il est mort. Il doit être mort en fait. Tant pis, hein. Au moins là-dessus, quand tu passes le curseur, tu craches pas. C'est plutôt bien. 49 de molten. Waouh, molten magnésium, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà. Ça, on va le rajouter du coup dans le réseau. Hop, tranquillement. Donc une fois qu'on a ça, c'est parfait. Du coup, on va passer à quelque chose d'autre. Alors, on doit faire une machine frame hardened. Donc on va chercher directement machine frame. Voilà. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une machine frame de base, un Electrum Gear et de l'Invar. Du coup, déjà on va voir si on a tout ça dedans. Il ne manque plus que l'électrum qui se fait avec ça et du silver. Je vais en faire beaucoup du silver, tiens, on prend ça. Hop. Voilà, donc du coup c'est 18 ingots que je fous là-dedans avec le silver. Voilà, ça fait de l'or déjà. 16 d'or, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Hop, et je rajoute ça. 16, et pourquoi j'ai 2 or en plus? Je sais pas. Ah, j'ai dû en mettre 18. Ouais, c'est possible. Bon, c'est pas très grave. On va faire ça du coup. Ça, bah, du coup, je vais le remettre dans le réseau. C'est pas très grave. Voilà. Hop, ça c'est fait. Du coup, j'attends l'Electrum Gear pour justement passer au-dessus. Ça, je vais manger parce que c'est tellement bon que ça te fait une saturation d'enfer. J'ai eu ça dans un bag. L'oursier de l'oignon, du ketchup.
Oui, bah oui, c'est du ketchup, du pain et ok, un alliage. Ok. Ouais, c'est cool, c'est un truc vachement dur. Du coup, là-dedans, il y avait du gravier et ceci. Je vais trop passer ça comme ça. Je sais pas pourquoi c'était à quoi faire du gravier. Peut-être faire de la glace, parce que j'en ai plus. Ouais, c'est ça, j'en ai plus, donc c'était pour faire du sable. Ok, bien. Les poules sont toujours aussi bien. Ici, il faudrait peut-être que je déplace le tout. Mais Osef. Du coup, Electrum. Hop, on va passer en Electrum Gear. Donc, il faut 4 ingots pour faire une Electrum. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Ce qui est totalement con, mais bon. Hop. Du coup, ceci, on doit faire évidemment la Renforced. Qui est, oh la vache, qui a fait une signe qui a de la déstabilisée redstone, du copper et du silver. Alors, silver, copper et redstone, un bucket, parce que je sais qu'en fait, tout simplement, iron. Voilà, un iron comme ça. Je sais que je dois avoir du copper. Copper, sachant que c'est 432, ça veut dire 3 de copper et 1 de silver. Copper. 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Et 1 de silver. Voilà. Du coup, on va normalement, on doit avoir besoin d'un magma crucible, comment, que j'ai prêté à Ethan, mais on peut du coup le reprendre. Là, c'est de la redstone, ça c'est bon. Donc, hop, on prend ça, c'est juste pour récupérer un seau directement. Hop, on le remet en mode liquide. Salut la poule. T'es marre, hein? C'est con. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on a ceci, on a cela. Il va falloir éventuellement que je fasse que le four, en fait, le four là, qui est de Tinker Construct, que je lui renvoie un... Oh, il y avait un autre seau ici. Ah oh, bah attends, je vais aller le prendre. Un autre bucket. Hop. Je savais plus que j'avais déjà un seau de fer en fait. Hop. Voilà, déstabiliser la redstone, c'est cool. Là, on a toujours notre lave. Ça, du coup, je vais le virer temporairement. Bien sûr, ceci avec, hein, parce qu'il faut bien que je rentre l'eau dessus. Il me faut un tank et un flux de conduite. Fluide conduite, non. Fluiduct. Ah oui. Fluiduct, je pense que j'en ai déjà des fluiducts en fait. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est du cobalt. Ça, je vais le garder. Fluid. Item duck, non. Hardened fluid duck, ça c'est cool. Du coup, ça fait comme ça. Voilà, ça c'est bon. On va du coup passer. Oups, c'est pas comme ça. Va falloir un tank. Donc, ce qui veut dire que c'est 1, 2, 3, 4. 1. Voilà, j'ai un petit tank, je suis content. C'est où? C'est ici. Tac. En source comme ça, ça passe là-dedans et ça va directement dans le réseau. Qu'on refout un silver et un copper, ça doit nous faire bah justement ce qu'on a demandé. Machine frame en signalium.
Donc normalement, justement, ça nous fait 5 machins comme ça. Donc de toute façon, on va très vite le voir si nous fait justement du signalium. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux. On va attendre que ça quiz. Ça, c'est cool. Donc, du coup, ben ça, je vais le remettre comme ça. Si au cas où on fait un autre clic dessus, ben ça reste dedans. Tout simplement. Donc, on a un silver, on a un seau de redstone liquide, 3 copper par-dessus, 3, il y a un 4, et ça fait 5. Normalement, c'est ça. On va le voir tout de suite, de toute façon. Voilà, on a 4 de signalium qu'on fait couler. Voilà. Oui, signalium gear. Ouh. Hop, on va dans le réseau, on le craft. Oui, machine frame. Hop, et bien sûr, il nous demande celle en résonante. Mais on sait très bien que la résonante. Oh putain, il faut que je la fasse fondre. 1, 2, 3, 4, voilà. Évidemment. Je vais faire fondre tout ça. Tic. Voilà. Du coup, ça fera une Electrum qu'on peut faire des beaux panneaux avec. Undertank, Undertech. Voilà, Underglass, ce genre de choses. Bien sûr, on y reviendra plus tard. On fait une résonante, oui, ça marche bien aussi. Hop. Alors, c'est très long par contre, hein. C'est très long à faire fondre justement ce l'andarium, hein. C'est vachement long. On va peut-être que je remette de la lave d'ailleurs en parlant de ça. C'est où le tank ici? Putain, je m'en rappelle plus. Ah bah c'est là. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, c'est correct. Bon, évidemment, il faut attendre que ça fonde, hein, donc c'est assez lent. Mais voilà. Pourrait faire fondre aussi le cobalt, en fait, en parlant de ça. Ça fait un L. Là, ça fait un vrai L. Un semi-L. On peut faire un C aussi. Ça, c'est cool. Mais allez, l'Andarium, t'es vachement lent par contre. Qu'est-ce qu'on peut se faire entre-temps? Parce que ça va nous faire ça. La workbench, on va en avoir besoin, je pense, hein. Là, il va demander de faire un city assembleur, un energy infuseur, un magma crucible, un induction smelter que j'ai déjà fait d'ailleurs, un fluid duct, bon bah un fluid duct, un fluid transport, et ça nous permet de faire un glacial precipitator et une ligneous extrudeur. Ok. Ok. Allez, l'Andarium, c'est quand tu veux. Oui. L'Andarium tout liquide. Ouais. Andarium gear. Oui. Oui, nous avons fait le maximum. Et on obtient de la merde. Eh ben ouais. Blood sapling, résistance à la lave. Ouais, bah on va tester ça. Hein. Ah merde, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Oh, j'ai fait un clic de quelque chose ici. Oui, dragon fruit. Mais ça fonctionne comment? Non, ça fonctionne pas comme ça.
À mon avis, ça doit aller dans le Nether principalement. Je vais le foutre là. Ça a l'air super bon. Ouais, il me refaut ceci. Alors, du coup, on va passer à la quête suivante qui est un machisme machin. Machinisme. Machinisme, ok. Hop. Alors, ça se craft très basiquement. Il me manque juste un papier qui est de la canne à sucre que je n'ai plus. Évidemment. Voilà, j'en ai 4. Hop, on en jette un, ça fait 3. Tac, du papier. Une table de craft. Et ceci. Voilà. Pour nous donner 8 schématiques. Oui. No recipe. Voilà. Ah, c'est cool. Oui, scribe. Voilà. Donc ça fait en fait que quand vous injectez ça dans une autre machine, ça fait un schéma en fait. Tout simplement. Sitlist crafting un schématique. Voilà. Et un sitlist assembleur. Cyclique d'assembleur. Comme si c'était pas très chiant à faire, ça va. Oui, j'ai plus de tin. J'ai plus de sable non plus. Alors, du sable, on va en avoir. Ne vous inquiétez pas. On va foutre ça là. Il faut juste une glace supplémentaire. Voilà. Hop, du coup, ça c'est pas possible. Ça c'est possible, mais il me faut du tin. Et le tin, je suis sûr que je vais pas en avoir dans les médias. Du coup, allons chez Monsieur Reddick. Je sais qu'il en a plein là-dedans. Iron tin, voilà. Hein, tu plaques dans les affaires des autres. Oui, mais lui, c'est qu'il a un générateur en cours. Voilà, hop. Yep. Faudrait que je fasse en sorte que lui aussi n'exporte ici. Ça pourrait être sympa. On peut faire ça comme ça. On va chercher justement l'item qui allait bien avec ça. Un item duck. On va faire comme ça. On enlève ici et ici. Et voilà. Oui, ça passe là-dedans, ça rentre là-dedans. Ouais, ça va tout seul. Du tin, du coup. Hop. On va faire celle-ci. Voilà. Et voilà, nous avons un site d'assembleur qui nous donne un. Ok. Ah, bien, très bien. Bah du coup, bah, ça c'est cool. Je vais foutre ça là parce que j'en ai pas du tout besoin. Il nous demande ensuite de faire un Energy Stick Infuseur basique qui nous donne un flux machin. Ok. Energy Stick. Ouais, bah autant que j'aille chercher un fuseur, hein, ça ira plus vite. Oh, bizarrement, ça va plus vite. Oh putain, encore des coppers. Et encore deux comme ça. Oh, t'es pas sérieux. Une machine frame. Bon, bah, on va faire ça comme ça. Hein. Tic, 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 tic.
Évidemment, j'ai oublié la Tin Gear qui va bien. Hop. Oui. La Leadstone Energy Frame. Redstone. Ça va, moi j'en ai un paquet. Hop. Voilà, donc normalement, voilà, nous avons tout. Ça, c'est plutôt pratique et ça permet de recharger en fait. Hop. De recharger directement avec l'énergie. Donc ça, c'est pratique. Ça veut dire qu'on peut recharger l'énergie qu'on a dedans. Mais c'est pas ça que je veux du coup. Hop. Du coup, ouais, on peut recharger directement l'énergie qu'on a là. Donc ça va recharger tranquillement, hein. Ah oui, jusqu'à 8000 RF par tick. Ah ouais, très bien. À un moment, il va trouver stabilisé parce que il doit se recharger. Ouais, voilà. Ah, puis remonte tranquillement parce qu'il vide les panneaux. Mais comme il va faire jour, il va du coup se remplir. Du coup, une fois ceci étant fait, on va passer à. Ok, j'ai complété celle-ci avant celle-là. Slowming. Ah ouais, la slowming, c'est tellement bien. Sawming plutôt. Sawming. Oh putain, il faut encore une machine frame, t'es sérieux? Putain, je vais en faire deux moi à force, hein. Voilà, je vais en faire deux. On a ceci qu'on fait avec ça. Oui, encore des copper gear. Ah, j'ai plus de copper. Redix, viens voir papa. Copper. Voilà. Du coup, on va faire ça et puis du coup, on se laissera là parce que ça va faire déjà un bon paquet de temps. Hop, ça c'est vrai, je peux pas le manger encore. Copper. Voilà. Hop. Oui, sawing. Ça permet de couper justement du bois avec autre chose en fait. Par exemple, nous avons ça. Ça se recharge. On va prendre le bois qu'il nous donne, qui est plutôt bien. On va le couper. Et quand il nous le coupe, il nous donne pas 4 planches ou 2 planches, mais voilà. Et avec ça, ça c'est super pratique. On peut faire du papier, on peut faire de la compressed, des sponges, plutôt pas mal. Du pyrogros. Ah, des trucs plutôt sympas d'ailleurs en parlant de ça. Ah, c'est sympa. Du coup, voilà. Donc, nous, on va se laisser là. On fera justement les deux. On va continuer tout ça. Et du coup, je vous dis à une prochaine. Et c'était sympa le coup de gueule.